Salutations, petits amis YouTube. Aujourd'hui, nous allons continuer l'escapade de Noël, partie 2. Et on va voir dessus ce que ça nous réserve. Thèse sur la chevalerie, les fondamentaux de l'escrime de Favonius. Quand tu vois qu'elle est tellement plus forte que les chevaliers, mais bon. Tellement de choses à apprendre après, avant l'examen. Oh, qu'est-ce que tu fais? Ah, oh, ça faisait un moment. Est-ce que quelque chose requiert mon attention? Ouais, j'ai un truc à te faire astiquer. Bah, je viens prendre tes nouvelles. Oh, c'est gentil, ça fait un bon bout de temps qu'on s'était pas vu. Ouais, c'est vrai que c'est pas dans toutes mes équipes, mais bon. J'ai été occupé à préparer mon examen, à part pour le travail et l'entraînement, je ne quitte plus la bibliothèque. La date fatidique se rapproche de plus en plus, mais comme s'il avait une quantité infime de choses à apprendre. Infinie, plutôt. Cette transe si nerveuse, ça veut dire que tu parles de... Ouais, l'examen de la chevalier de l'ordre. Je travaille pour l'ordre de Favonius en tant que servante depuis des années, mais je dois encore passer cet examen pour devenir officiellement chevalier. J'ai déjà échoué plusieurs fois avant, je ne sais pas si je peux arriver cette fois. Est-ce que je peux t'aider ou on a qu'à réviser ensemble? Oh, on a qu'à réviser ensemble. Pas la peine d'embêter comme ça. C'est mon examen, je dois réussir pour réaliser mon rêve. C'est à moi de surmonter les épreuves. D'ailleurs, il reste encore un peu de temps avant l'examen. Je veux pas t'accaparer comme ça. Mais le jour de l'examen, si tu es libre, bien sûr. D'après le programme de l'ordre, je pense que ça devrait être dans 6 mois. 6 mois? Tu sais, 6 mois ça passe vite, tu ne trouves pas? Ouais, quand même, non. Il reste un peu de temps. J'ai tout soigneusement planifié, il faut que je dorme 2 heures de moins chaque jour et aussi que je termine mon travail une heure plus tôt. Comme ça, je pourrais passer plus de temps à étudier et je devrais à peu près pouvoir finir ces livres. Et puis il y a toujours le café si j'ai sommeil. J'ai aussi les bonbons en réserve au cas où je me sentirais à plat plat. Te pousser ainsi risque d'affecter tes performances pendant l'examen. Je pense que ça ira. J'ai aussi mis du temps de côté pour l'entraînement. Après tout, le combat fait aussi partie de l'examen. Non, mais il faut que tu te reposes. Je dois être trop nerveuse. J'ai encore un entraînement demain, je dois me revigorer. Je suis désolé que tu aies à me voir dans cet état, ça va mieux maintenant. Faudrait que tu te détendes un peu quand même. Chaque fois que je pense à l'examen, ça m'angoisse. Ce n'est qu'en étudiant ou en entrant que j'arrive à me changer les idées. Mais du coup, je découvre de nouvelles choses que je ne maîtrise pas et ça m'angoisse encore plus. Un changement de décor pourrait te faire du bien. Un changement de décor, c'est vrai qu'à rester cloîtré au quartier général dans la bibliothèque, on a l'impression de devoir étudier sans cesse. Où est-ce que je peux aller? La queue de chat ou au cadeau de l'ange? Ou peut-être à l'extérieur de la ville? La falaise à rack étoile ou avant levé? Je pourrais même préparer des pancakes pour prendre une nappe et un petit pique-nique. Ah oh oui, un petit pique-nique! Qu'est-ce que tu dirais d'un voyage à Liyue? Ah bah ouais. Je n'arrive pas à y croire, je suis à Liyue. L'architecture est si unique et il y a tellement de gens, par contre j'ai l'impression que tout le monde me dévisage. C'est parce que tu es très jolie. Oh, arrête, te moque pas de moi comme ça. Mais je me moque pas de toi. Si je peux finir le jeu marié avec elle, moi, y a pas de souci. Hein. Arrête de plaisanter comme ça. Si les gens t'entendent, ils vont se faire des idées. C'est étrange, à mon tête, je n'ai jamais de problème avec les inconnus. Mais ici, je me sens toute crispée. Peut-être parce que je suis dans un... Bah oui, c'est toi l'inconnu, en fait. Je ne sais pas comment agir pour ne pas me ridiculiser. En parlant de ça, j'ai entendu dire qu'il était coutume de manger avec des baguettes à Liyue, c'est vrai. Bah, on est en Chine, donc je dirais oui. À mon stade, j'ai déjà donné des baguettes à des visiteurs de l'UE, mais je n'ai jamais utilisé moi-même. J'espère que je ne devrais pas le raiser tout le monde. Tu veux apprendre à utiliser des grosses baguettes? Non, il y a aussi des plats qu'on mange sans baguettes. Tu veux jeter un oeil? Alors, de la bouffe ou à utiliser des baguettes? Ah, je proposais. Tu veux que je t'apprenne à utiliser des baguettes? Mon temps à Liyue est précieux, je dois me consacrer à mes études. Mais ça en fait partie. Comprendre la culture locale aide à communiquer avec les gens et en apprendre davantage. C'est vrai, si j'offusque les bisons en ne connaissant pas leurs coutumes, difficile d'apprendre quoi que ce soit auprès d'eux. Eh bien, commençons par découvrir la cuisine alors. Est-ce que tu as des suggestions? Ah ça, je m'y connais. Allons au restaurant ou à mine. Bon, les deux en fait c'est bien, je pense que ça ira au même. Quelque chose que tu recommandes, j'ai hâte de voir quel goût ça a. Je peux voir que ces armes sont puissantes, rien qu'en les regardant. Je me demande comment on pourrait utiliser l'escrime de Favonius avec des armes. Avec ses armes. Bah, ils se battent à la lance ici, donc je vais te dire. Ah, on dirait que ça t'inspire. Oui, je trouve encore des problèmes à résoudre, mais je me sens bien moins nerveuse qu'à Mondstadt. Eh, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui ne va pas?
Je ne suis pas un enfant, je suis un puissant héros courageux. Ouais, c'est ça. Je te vois bien avec ta tenue bizarre et ton comportement louche à flâner autour de la forge. Tu prépares un mauvais coup. Je prépare rien du tout. Je suis un grand héros, je vois tout, je vois la façon dont tu regardes ces armes, de la même façon que moi. Tu as sûrement l'intention d'envoler pendant que le patron ne regarde pas. Eh bien, je te préviens, abandonne tout ce que tu as encore le temps. Parce que si tu continues, le patron va te regarder et te gronder comme pas possible. C'est un chevalier de l'ordre de Favonius, il ne ferait pas une chose pareille. Un chevalier de l'ordre, hein, c'est pas du menu fretin à ce que je vois. Mais tu mourras pas comme ça, je ne te crois pas, à moins que tu montres ton épée aussi dans l'œil divin. Oh, alors c'est ça que tu manigances. Tu dis n'importe quoi, aucune épée ne peut surpasser la puissance épée de Dougou. Et un jour, moi aussi, j'aurai un œil divin. Je suis pas jaloux. Mince, il va pas me lâcher. Bon, bah si tu insistes, et fais attention, hein, ne te blesse pas. Ouah, t'es super gentil. Ouah, cette lueur, c'est vraiment un œil divin géo, et cette épée est si lourde, je peux même pas la tenir. C'est pas juste. Si seulement j'étais un peu plus grand. Ah, sois patient, tu y arriveras un jour, je suis sûr que ton rêve deviendra réalité un jour. Ouais, enfin, en même temps, je rappelle qu'elle fait 1m50 la Noël et qu'elle a une épée de 2 mètres. En fait, c'est Berserk. Ah, tu possèdes un œil divin, tu manies une épée géante, tu viens de Mondstadt, tu es gentil et tu dois être une légendaire chevalier de l'ordre de Favonius. Mais non, c'est une légende tout court. Je dois dire que les chevaliers de l'ordre sont à la hauteur de leur réputation. Aussi sûrement que les collines sont vertes et que les rivières coulent, nos chemins se recroiseront à nouveau. Oh, il a disparu. Alors les enfants de l'UE ont aussi de grands rêves. Quand j'étais petite avec les autres enfants de Mondstadt, on imaginait souvent le genre d'œil divin qu'on pourrait quand on serait grand. J'espère qu'un jour le rêve de ce garçon se réalisera également. Qu'est-ce qu'on fait ensuite? On va visiter le port ou on fait une petite pause? Ouais, je sais pas, qu'est-ce que tu préfères? De toute façon, les deux mènent au port, hein, les trois bolets du port, ou alors. On peut aller voir les Milélites. Oui, il y a apparemment beaucoup de Milélites stationnés là-bas, serait formidable si je pouvais leur demander des conseils. Dur comme le roc, puissant comme la montagne, merci à vous deux pour votre aide. On vient de confirmer l'emplacement des pilleurs. Ah, il faut agir immédiatement. Juste au cas où, quelqu'un doit garder cette route et arrêter. Ouais, bah oui, forcément, tu vas pas venir. Ah, Tarlouse. Ah, mais oui, tu vas nous aider. Oh, j'ai simplement demandé au chevalier honoraire de venir ici pour servir de témoin. Il n'a aucune restriction quant à la manière d'arrêter ces brigands. Dans ce cas, je veux faire de mon mieux. Ouais, je vais donner un coup de main. Alors, allez, on va leur péter la gueule. J'espère qu'ils sont pas trop loin. Bon, en même temps, j'y vais avec Zhongli, mais bon, hein, voilà. Ah, maintenant, on va jouer Noël, nickel. Est-ce que tu peux... Oui, bah écoute si tu veux. Évidemment, comparé au chevalier honoraire, j'ai encore un long chemin à parcourir. Bouf. Sur le papier, elle est 40 fois plus forte que mon perso principal, mais bon. Ah, force pas trop, va. Alors, ah, allez, voilà. Est-ce que je pourrais m'en sortir seul? Oh, on se demande! Est-ce que tu pourras t'en sortir seul? Alors, attends. Tu leur fous des gifles? Ah bah, ils sont déjà morts. Ils sont où? Ils sont où? Où qu'ils sont? Où qu'ils sont? Moi, je les prends tous, moi, un par un. Je peux déjà refaire mon ulti. Allez, viens. Viens. Oh, Tarlouse. J'ai réussi! Bah, c'est parce que tu es talentueuse. C'est grâce à tes grands encouragements. On a capturé tous les pierres. Ouais, enfin là, tu peux les enterrer, à mon avis. Leur nombre correspond aux renseignements qu'on avait obtenus. Aucun n'a réussi à fuir. Pas étonnant que vous soyez l'invité de Marc des 7 étoiles, le chevalier honoraire de Mondstadt. C'est Noël qui a tout fait. Ah, je n'ai rien fait du tout. Noël s'est occupé de tout. Non, Noël s'est occupé de tout. Oh, Dame Noël qui a vaincu les pierres. Merci beaucoup. De rien. Pouvoir vous aider, aider les milices, ce fut un honneur. Vous êtes trop modeste. Blablabla. Avoir vos compétences et votre intégrité aujourd'hui, ça ne m'étonne plus que les habitants de la falaise de Chiou vous aient prise pour un véritable chevalier. Vous faites erreur, je suis encore loin d'être au niveau d'un chevalier. J'ai sincèrement hâte de vous voir devenir un véritable chevalier. Je dois escorter les pierres de trésor, dur comme le roc, blablabla. Au revoir. Un véritable chevalier, combien de temps me faudra-t-il avant d'être digne d'une telle appellation? Je pense qu'on devrait rentrer à Mondstadt. Oui, tu as raison. Eh bien, le temps est passé si vite, c'est vraiment l'heure de rentrer? Qu'est-ce qu'il y a, Noël?
Je demande peut-être trop, mais est-ce que je pourrais passer un peu plus de temps avec moi? Bah bien sûr. Qu'est-ce que tu veux visiter? Voilà, c'est ici. Tu voulais aller à une boutique de thé? Je prépare son outil pour les chevaliers de l'ordre. Je voulais venir voir ce que je peux apprendre. Est-ce que je peux t'offrir? Oui, si tu veux. Noël, et vous profitez d'une tasse de thé. Oh, c'est vraiment différent du nôtre. Le goût et la consistance sont différents, mais cette chaleur et cette douceur que j'éprouve quand j'en bois, c'est la même sensation. Pourtant, les peuples ont l'air si différents. Mais on dirait que le désir de protéger les siens est le même partout. Ah, je sais pas. Bon, de toute façon, ça n'a aucune importance, je suppose. Que ce soit Mondstadt ou Lué, tout le monde aspire à une vie meilleure. Oh non, quel que soit l'année, l'élément, on souhaite toujours à protéger ce qui est important. Au fond, nous sommes tous les mêmes. Je n'ai plus à craindre cet examen. Je sais que j'ai encore un long chemin à parcourir comparé à toi. Tes aventures sont celles de mythes et légendes. Ouais, mais t'es avec moi les trois quarts du temps. Ça me motive à travailler encore plus dur. J'ai vraiment hâte d'être à ce jour. Ce jour où je pourrais me battre côte à côte avec toi en tant que chevalier. Oui, bon, t'es pas chevalier, mais tu te bats déjà avec moi, quoi. On reviendra louer une fois mon examen terminé. Oh, ils sont pas mignons. Eh ben, passons par les trois bolets du port avant de continuer à visiter. Hop. Tintin. Oh, mais c'est un morceau de gardien des ruines. C'est pour de vrai. Regardez les coupures dessus. Ça vient tout droit du champ de bataille. Je dois vraiment lui parler. Modestie, ce sont les chères vertus aux chevaliers. Cette fille là-bas, elle ressemble quand même énormément aux chevaliers de l'histoire. Je dirais même que c'est son portrait craché. Est-ce qu'on aura droit à un autographe? Hein? Allez, Noël, on se casse. On se casse, on se casse. Tu es à moi. Le chevalier est parti à l'ouest de la porte de pierre, épée en main, en direction des montagnes, un vaste pays inconnu. Et c'est lorsqu'elle mit pied à Liyue que débuta sa légende. Les récits des aventures de la servante chevalier furent ensuite transmis pendant des centaines de générations. Tintintin. Une servante intouchable. Je participe souvent aux épreuves de classement de la guilde des aventuriers. Puisqu'on en parle, on m'a déjà invité à la rejoindre. Et puisque c'est un conseil du chevalier, je vais essayer. Terrasser trois gardiens des ruines, c'est peut-être un peu trop difficile. Les nouvelles recrues vont détaler en voyant ça. Chasser trois sangliers dans la forêt, la guilde n'approuvera pas. Hein. Qu'est-ce que t'es en train de faire? Oh, c'est vous et Noël. Bonjour, monsieur Cyrus. Excusez-moi, est-ce que vous êtes en train de réfléchir au contenu de l'examen? Ah, m'en parlez pas. Depuis que Tikem s'est occupé de toute cette histoire avec Storm Terror et qu'il est devenu le héros de Mondstadt, tout un tas de jeunes sont motivés et veulent rejoindre la guilde des aventuriers. Dans une des quêtes, ils disent exactement l'inverse. Mais la plupart n'ont aucune expérience, ils ne peuvent même pas s'occuper d'un petit blob de rien du tout sans se couvrir de blessures. Alors, certains membres de la guilde sont mis en tête de créer un examen d'entrée. Bah, c'est plutôt une bonne idée. Comme ça, les aventuriers ne seront pas en danger si facilement. Mais l'examen est trop difficile, personne ne voudra y participer. Quelques éraflures de petits bleus, ça n'a rien de bien méchant. Ça peut surmonter avec un peu de volonté. Pourquoi personne d'autre dans la guilde ne comprend ça? De toute façon, j'ai déjà rejeté deux propositions et j'en rédige maintenant moi-même une troisième. Il est essentiel de trouver de bons niveaux de difficulté. Si seulement quelqu'un pouvait essayer. Bah oui, justement. Est-ce que moi je pourrais essayer? J'ai envie de tester un peu cet examen. Noël, vous voulez dire que vous souhaitez passer l'examen d'entrée pour les nouvelles aventuriers? C'est parfait, eh bien si c'est vous, Noël, vous n'aurez pas à avoir de problème, quelles que soient les difficultés des épreuves. Tout à fait. N'hésitez pas à me donner ce que vous avez de plus difficile. Voilà l'esprit d'un véritable aventurier. Bon, laissez-moi vous expliquer les règles de l'examen. Puisque les aventuriers travaillent souvent en groupe, vous avez le droit de demander de l'aide à d'autres personnes pendant l'examen. Par exemple, si vous voulez Tikem, vous pouvez vous joindre à Noël. Ouais, on peut quand même demander de l'aide. Ensuite, l'examen portera sur trois parties, les connaissances de base, les compétences de survie et une simulation de combat. Il suffit d'en réussir deux sur trois. Wow, bah on a déjà réussi, quoi. Enfin, rappelez-vous qu'à tout instant, quatre aventuriers demandent courage et persévérance. Vers les étoiles, allez au-delà! Quel enthousiasme, n'en tardons plus et passons à la première partie, les connaissances de base. Tout aventurier doit maîtriser toutes sortes de connaissances pertinentes pour gérer les diverses situations qu'il pourra rencontrer. Je vais donc vous poser trois questions. Vous pouvez en discuter entre vous avant de me donner une réponse. Première question, un aventurier doit connaître son environnement pour s'assurer de pouvoir obtenir des ressources dont il a besoin.
Parmi ces plantes, monte stadoise, laquelle ne peut pas être trouvée vers les territoires du loup. La graine de pissenlit, le liscala ou le chrysanthème à aube ou l'herbe à lampe. L'herbe à lampe, c'est sûr, il y en a. Graine de pissenlit, il me semble qu'il y en a. Le liscala, il me semble qu'il y en a. Donc, je dirais le chrysanthème à aube par déduction. Je me souviens avoir lu qu'il y avait beaucoup de baies accrochées, mais mon livre ne mentionnait pas d'autres plantes. Non, je dois réfléchir différemment. Est-ce que l'une de ces plantes requiert des conditions d'environnement spécifiques pour pousser? Des conditions que l'on ne trouve pas dans le territoire des loups. Oh, j'hésite entre le chrysanthème à aube et le liscala. Je sais plus lequel des deux il n'y a pas. On va dire le lis, tiens. Malheureusement, ce n'est pas la bonne réponse. Passons à la deuxième question. L'aventurier doit toujours apprendre de ses expériences et garder les notes de ses aventures dans un carnet. Il y a votre fois un aventurier célèbre qui a exploré les terres de Yue et a documenté tout son périple. Grâce aux notes qu'il a prises de chaque endroit où il s'est rendu, les jeunes aventuriers peuvent maintenant planifier en avance pour éviter de nombreux dangers. Quel est le nom de cet aventurier? Oula. Pour ce qui est de cet aventurier, je pense avoir lu quelque chose concernant dans un livre. Il a même exploré les monts Dragons. Ouais, ça doit être ça. Comment s'appelait-il déjà? Oh putain, je pense pas que c'était Saïd. C'était Wyatt ou Wild? Moi ouais, je veux dire Wild. Oh dommage! Je réponds tout faux! Amusons-nous un peu avec celle-ci. Dans le donjon le plus terrifiant des aventuriers de Mondstadt, le tristement célèbre lieu sans vent. Une mer de cendres et un silence déchirant vous attendent. Quel est le nom de ce véritable tabou? J'en sais rien moi. Bon, il y a Jivari, Javari, Mivani, Safari. Bon, c'est pas Safari, je pense. Il y a deux mares. Ouais, je vais dire ça, tiens. Exactement. Là, j'ai fait par déduction plutôt que. Les QCM, c'est comme ça que je les. que j'ai juste souvent. Bref, gardez bien ce nom à l'esprit un jour, vous aussi, vous l'explorerez. Est-ce que mes questions sont trop difficiles, si même Noël n'y arrive pas? Bon, pas la peine de vous faire un sang d'encre, retenir ce genre de choses par cœur ne sera pas inutile dans vos aventures de toute façon. Par contre, les choses vont devenir un peu plus sérieuses maintenant, pendant le test de vos compétences de survie. Alors préparez-vous bien et retrouvez-moi au bon chasseur quand vous sentirez d'attaque. La deuxième partie de l'examen d'entrée vers les étoiles et au-delà. Alors, l'estomac bien plein et possède suffisamment de nourriture. C'est la clé pour les aventuriers, blablabla. Premièrement, oh putain, les ingrédients doivent être facilement accessibles en pleine nature. Deuxièmement, la préparation et la cuisson doivent être simples et rapides. Troisièmement, eh bien, le plan en question doit être capable d'aider une personne épuisée à reprendre ses forces. Tu veux me faire faire des œufs cuits durs? À vous de jouer. Cuisinez quelque chose plein de passion et de saveur et apportez-le-moi quand vous aurez fini Noël. J'attends votre plat avec une grande impatience. Ha. Des ingrédients accessibles, simple à cuisiner, permet de reprendre des forces. Est-ce que tu as une idée? Le steak, c'est très facile. Casse-croûte d'urgence, quoi. Même cli. Oh, déjà de retour, visiblement. La troisième partie de l'examen aura été promenade de santé. Bon, permettez-moi de vous annoncer les résultats de votre examen d'entrée. Vous avez réussi. Vous étiez à 2 doigts d'obtenir un score parfait. C'est un peu dommage. Mais bon, si même Noël n'a pas pu obtenir un score parfait, alors peut-être que je dois encore ajuster un peu la difficulté. Ouais, bah tes questions à la con. Oui, il faut faciliter un peu l'adhésion des nouveaux arrivants, puis on pourra rehausser la difficulté un peu plus tard. C'est comme ça qu'on pourra attirer plus de recrues. Je n'ai pas obtenu un score parfait. Eh bien, permettez-moi quand même de vous féliciter pour votre excellente performance. Je vais demander à Catherine de préparer les formalités d'admission. Noël. Où est-ce que je me suis trompé? Comment puis-je m'améliorer? Si je peux recommencer à zéro, je. Qu'est-ce que vous avez dit? J'avais perdu dans mes pensées. Je vous demandais si vous aviez le temps de visiter la guilde avec moi. Je dois me dépêcher de reprendre mes études. Si je ne passe pas en revue mes erreurs, je risque de les répéter la prochaine fois. On dirait bien que j'ai encore beaucoup à apprendre. Je retourne à la bibliothèque pour continuer à étudier. Vous avez réussi, qu'auriez-vous besoin d'étudier? Bien sûr, vous avez fait quelques petites erreurs, mais rien de bien grave. On explique tout à Cyrus. Eh bien, quand vous rentrerez, est-ce que ça vous dérangerait d'aller voir Noël à la bibliothèque? J'espère que mon examen n'a pas affecté son humeur. Comment puis-je en ajouter les difficultés au mieux? Je devrais peut-être retourner au cadeau de l'ange pour y réfléchir autour d'un petit verre. Oh Noël, va te reposer. Je somnole un peu, je ne t'avais pas remarqué. J'ai analysé mon expérience pendant l'examen blanc pour créer une nouvelle liste de lecture. Géographie, l'aventure Mondstadt en une minute. Il y a tellement de connaissances que je veux tirer de ces ouvrages. Bien manger à Mondstadt. Je n'avais pas réalisé qu'il y avait autant de façons de cuisiner dans la nature. Sans oublier autodéfense. Ou c'est vrai que t'as vraiment besoin.
L'art de dialoguer avec les monstres. Ouais, je vais t'apprendre, moi, à dialoguer avec les monstres. Et attends, Alina, est-ce que je vais pouvoir terminer à temps? Je vois mal ces sujets tomber à l'examen de sélection. Et c'était la première fois qu'il tombe. Si on me demandait comment sauver un aventurier, comment collaborer avec la guilde, et si je m'y attelle pas maintenant, je risque de le regretter plus tard. Chaque seconde qui me sépare de l'examen compte. Je ne peux pas me relâcher. Une chose à noter, quand vous avez fait la quête imparfaite, c'est-à-dire vous avez fait au moins une erreur à une question, ou vous avez foiré la viande, ou vous avez foiré le combat, bien pensez à lire les notes de Noël. En effet, le truc, c'est que ça va vous permettre de récupérer le haut fait greffier de Mondstadt. C'est le chrysanthème à aube qu'il n'y a pas. J'hésitais entre les deux tout à l'heure, bah, j'avais raison, c'est le chrysanthème à aube. Donc, le chrysanthème à aube pousse principalement au ballon de Storm Terror avant levée et près des statues des sept. Les trois autres plantes sont beaucoup plus répandues. Donc, il s'agit du chrysanthème à aube. Correct, vous êtes vraiment incollable, hein. Passons à la deuxième question. Vous devez toujours apprendre de ses expériences et garder les notes de ses aventures. Alors, là, du coup, pareil, j'ai vérifié et c'est Roald. Et dire que je pensais que cette question serait un peu difficile pour l'aventurier de Mondstadt. Encore une fois, Noël, vous ne manquez pas de m'impressionner. Dernière question. Donc là, c'est le. Bah, ça, j'avais répondu juste la première fois. Donc c'est la mare Jivari, par déduction. Ok, donc les autres questions, de toute façon, vous les avez vues. Tadam! Un score parfait à l'examen d'entrée est une chose, mais il est encore un peu tôt pour rejoindre la guilde des aventuriers, dirait-on. Oh, ce sourire! Alors, le dernier embranchement que j'avais pas vu au début, enfin, que j'avais vu mais que j'avais pas pris, c'est N'aie pas peur et affronte le stress de l'examen de front. Tintintin. Tu veux dire que je devrais faire autre chose qu'étudier? Si j'en prends pas ma peur de l'examen, je vais faire des erreurs. Donc au début j'ai fait ça, hein, tu ne pourras passer d'autres examens pour t'habituer au stress, c'est là qu'on a fait les épreuves. Donc là je vais mettre, tu devrais t'imaginer en train de réussir l'examen. S'imaginer en train de réussir l'examen, quand tu auras réussi l'examen de sélection, quel genre de chevalier veux-tu devenir? Devenir chevalier de ce déjà suffisamment difficile. Le genre de chevalier que je veux devenir un jour, ça me semble si loin et si dur à imaginer. Commençons par ce qu'on connaît bien, pourquoi pas une éclaireuse comme Amber? Oui, je la vois mal éclaireuse. Elle est plus douée qu'Amber, faut arrêter de déconner. Elle sert à quelque chose. Alors, cependant, je ne suis pas vraiment doué pour repérer ou attirer les ennemis. Par contre, j'ai déjà demandé à Amber de m'apprendre à faire des barons lapinous. Me servir d'un baron lapinous pour attirer les ennemis et protéger mes compagnons, je devrais pouvoir y arriver, non? Ouais. Si tu peux accomplir le devoir d'un chevalier certifié, tu te sentiras peut-être plus confiante pour l'examen. J'ai encore la plupart des matériaux qu'on a utilisés quand elle m'a montré. Il faut de la bave de pyroblot pour la teinture rouge utilisée pour attirer l'attention des ennemis. On peut écraser les tombées. Par contre, les tombées séchées ne conviennent pas pour ça. Je vais avoir besoin d'aller ramasser des fraises à la montagne du Gué. Allons là. Et quand j'y pense, je n'arrive plus à imaginer le genre de chevalier que je peux devenir. Ah, comme Jean, en tant qu'affaire, on va prendre un bon exemple, quoi. Bah, du coup, nous, on va demander. Alors, qu'est-ce qui vous arrive? Eh bien, j'ai perdu un monocle que j'avais importé de Sumeru. Tadam! Le dernier embranchement qui me manque, c'est ici, a priori. Tu pourrais devenir comme le capitaine de la cavalerie, comme Kira. On va pas lui trancher la tête? Non? Bon, au moins, c'est fini. Bon voilà, on a fait les six fins différentes. J'espère que ça vous a plu. Il y avait même le petit haut fait caché que j'ai réussi à trouver. Au final, ça fait quand même pas mal de récompenses. Sans parler des pancakes moelleux et des. Enfin voilà quoi. C'est rien de plus facile. Enfin bref, en tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Et je vous donne rendez-vous à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bye bye, mes petits amis YouTube!